L'excellence et la rigueur dansent le mot paché au rythme tendant quand le courage joue les mélodies de l'enseignement. Entendre, comprendre, apprendre, entreprendre au lycée même quand le stress divague. D'ailleurs, dites à ceux qui viennent d'ailleurs que ceux qui ont grandi dans la mer n'ont pas peur des vagues. Du slam au théâtre, il n'y a qu'un pas. Sur fond de compétition, les différents ateliers permettront aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances dans des domaines tels que la culture générale et l'histoire du Congo. Une manière de mettre en lumière le talent de la jeunesse. Chaque académie, c'est une association qui a pour mission de promouvoir l'éducation et la culture congolaise à travers des initiatives culturelles et éducatives. Donc quand on organise un événement de genre, c'est tout simplement pour faire la promotion de la culture congolaise. Je pense que vous avez eu une petite idée de tout ce qui s'est passé durant l'événement. Nous avons sensibilisé les élèves dans leurs études. Ce sont ces élèves-là qui sont l'avenir de demain et nous comptons sur eux. Donc voilà pourquoi nous avons invité quelques personnalités publiques. Certains sont des modèles pour certains élèves. Pour l'ambassadrice plénipotentiaire de la République de France et la professeure Toumi, les jeunes doivent caresser des ambitions. J'ai trouvé ce projet très beau, très ambitieux. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'aime les gens ambitieux. J'aime la jeunesse ambitieuse. J'aime les jeunes qui voient loin, très loin, même si ça paraît sombre, mais qui voient la lumière au loin. Et cela mérite d'être encouragé. Je voudrais vraiment vous retrouver tous dans des positions extraordinaires, dans des positions qui feront que vous êtes heureux de votre vie. Les lauréats, eux, souhaitent la pérennisation de cette activité. Si on a ce genre d'activités qui pousseront les jeunes à connaître plus leur pays, ça va nous permettre d'apprendre plus sur nous. Parce que nous remarquons que dans nos écoles, on enseigne plus sur la culture des autres, on ne parle même pas de nous. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que notre histoire finira par s'éteindre si on n'apprend pas aux élèves leur propre culture. En fait, pour la première impression, ce n'est pas d'être simplement deuxième, mais c'est d'avoir gagné autant de connaissances sur mon pays. Après les différentes tâches dans les ateliers, 5 meilleurs élèves ont été primés avec des prix de reconnaissance, mais aussi d'encouragement. L'association Swec Academy, initiative de l'activité, cette première tournée a permis de promouvoir l'éducation et la culture congolaise avec l'intervention des élèves du lycée de la Révolution.